Bonsoir tout le monde. Donc, comme c'est David, j'espère que nous sommes en forme, j'espère que Martine a fait en forme. J'ai noté dit là, là, nous avons une deuxième séance pour journée, côté de quoi parler de business digital. Mon qui gagne travail, ça pour faire avec nous, c'est moi. Donc, invitez-nous tous qui connectent déjà pour nous permettre nous, sous, de préférence, pour nous bien identifier nos collègues en question, pour nous identifier qui est-ce qui va poser des questions. N'a fait présentation en deux temps, m'a fini fait exposé et puis n'a pris une question après. Si vous avez une question pendant m'a fait exposé et vous n'avez pas même perdu, et question, vous pouvez toujours voir dans le chat là, mais c'est après m'a fini net que m'a répondu. Pour mon quitter la matin, et avec mon qui la cunia, m'a juste annoncé que après semaine formation ça, que n'a pas un certificat. Mais mon cas bien certificat, c'est mon qui assistait à au moins 13 séances. C'est peut-être ça. Dans chaque séance qui a bien, bon sondage que nous avons partagé, que dans la fin ou bien dans la mi-temps séance là, tout le monde qui connaît, qui a besoin de certificat, obligé de remplir, parce que c'est à partir de sondage ça que nous avons connu que ou même on a participé dans 13 séances ou bien plus. OK. Non, pas M. David Joseph. Moi, c'est CEO Wikitech. Moi, c'est ingénieur en informatique. Moi, c'est consultant en transformation digitale. Moi, c'est développeur certifié en PHP. Moi, c'est expert en expérience utilisateur. Moi, c'est développeur produit. Moi, actuellement, je suis master en communication visuelle. Je fais analyse prédictive. Mais une autre académie est statistique prédictive. Et puis, je fais marketing et management. Donc, je dis à pour me présenter nos thèmes business digital là, en particulier on sous-élément de qui c'est commerce électronique, mais on a commencé dans le grand ensemble là qui c'est business digital. Qui s'en entend par business digital? Business digital, c'est ensemble activité commerciale qui fait à travers canaux numériques. En pile fois, on a toujours pensé que lorsqu'on cite achat et vente, ou a fait business digital. Oui, on a fait business digital, c'est vrai, mais c'est en sous-ensemble de business digital là qu'on a fait. Et sous-ensemble, ça relève commerce électronique. Parce que business digital là lui-même implique plus d'éléments que ça. Et alors que commerce électronique là, qui ça lui fait, c'est assurer seulement vente avec achat, bien avec service. Mais lorsqu'on parle de business et digital, il y a plus d'éléments qui entrent. Par exemple, nous avons inbound marketing, nous avons promotion, nous avons gestion stock, nous avons SEO, nous avons email marketing avec un paquet d'autres éléments toujours. Ça veut dire, si on dit qu'on a un business digital, il faut au moins faire deux ou bien trois éléments dans ça. Parce que si on a un bon site, je me suis seulement assuré que monter produit et le produit, ça va être disponible comme retirer, mettons l'autre produit. De temps en temps, m'a fait mouvement ça. Là, je fais commerce électronique, même pas fait un grand terme qui c'est business digital. Si on a fait business digital directement, on a assuré de promotion pour site moyen, on a assuré que l'aspect au site moyen toujours optimisé, on a assuré que chaque fois, que chaque semaine, que chaque jour, mais que chaque mois, vont email, bah, on s'est de monde qui est intéressé avec produit pour qu'à venir et acheter produit dans le monde. Avec business digital, là, nous avons un paquet de métiers qui créent. Et métiers qui en vogue dans la question de business digital, là, il y a le marketing digital. Marketing digital, là, son métier 100% digital. Tout ça, on fait là-dedans. Tout travail pour faire la question de marketing digital, utiliser un seul élément, c'est Internet. Ça veut dire, si nous avons marketing, si nous avons que travail, c'est dans le marketing digital lié, ça veut dire que chaque jour, je vais dans le bureau, je vais penser stratégie pour augmenter la vente et l'entreprise de travail, pour augmenter le chiffre d'affaires et l'entreprise de travail. Je vais penser pour m'envoyer un spot dans la radio, pour
pour m'a fait telle activité analogue, si dans marketing digital. Faut tout ça m'a fait, il fait à travers et sphère numérique là. Et marketing digital là, c'est un métier que business digital là rend pi possible. Donc là, son différence qui plus ou moins argumenté de ça dit tout à l'heure. Donc, e-commerce avec e-business. E-business, c'est même lui-même le business digital. Et exemple là, que nous prenons, si on a une boutique en ligne, on va faire e-commerce. Mais si on a une boutique en ligne, mais on a décidé d'entrer dans la question trading. Soit on va acheter Bitcoin pour me vendre, soit on va miner ou bien. Mais on a entré dans l'activité côté c'est business qu'on va faire. Mais qu'on y a, c'est pas vente avec achat seulement que m'a fait. Le ça, on parlait de, on dit directement que m'a fait business et digital. Même si l'on fait e-commerce, on fait business digital tout, mais lui-même, il y a plus ou moins mettre long point à pas business digital là, alors que tout l'autre élément, il y a même, depuis qu'on rencontre SEO, promotion, email marketing, il y a tout ce qu'on fait business digital directement. Donc, je dis, nous allons focus spécialement sur ça, les e-commerce. Pour qui ça? Parce que e-commerce actuellement, c'est un moyen que vous avez pour faire comme, en tout cas, c'est plus facile de dire, et c'est un moyen que vous avez tout pour qu'il n'y ait pas de service, qu'il n'y ait pas de produit que vous avez, que vous avez public et que plus monde découvrir en tant que vendeur de produits ça ou bien en tant que vendeur de service ça. Je définis e-commerce comme échange pécuniaire de biens, services, d'informations par l'intermédiaire des canaux d'informatique, notamment Internet. Ça veut dire, si qu'on y a créé un site Internet, moi dis, je suis ingénieur en informatique, moi vends un service codage pour site web, automatiquement, là, je rentre dans e-commerce. Ça veut dire que j'ai une possibilité de monter sur le site moyen, je paye ce service-là, et puis en retour, je paye un produit. Le produit, c'est une application ou un site web. Là, le ça, dans e-commerce. Mais si on a, je dis, c'est informaticien, bon fait site, mais ça me vient, c'est un local, il faut qu'on a vini pour expliquer qui ça vient, pour qu'on explique exactement mais qui travaille ni besoin mais qui ça ni besoin pas dans e-commerce là dans e-commerce traditionnel même si ça m'a fait son bagage numérique mais méthode d'utilisation méthode traditionnelle nous parler de e-commerce le utiliser ça nous relait internet là pour activité à faire ça veut dire ou c'est ou son monde qui compte chanter on monde pour créer un site pour qu'à vendre création yo depuis mon monté l'IPE ou les ou les besoins en musique et 3 minutes qui parlait de tel bagage ou fait ou voyer le bal il y a prouvé l'IPE le ça on dans e-commerce mais il y a différentes formes de commerce électronique et selon forme là yo classé en deux catégories il y a selon profil commercial là et puis il y a selon modèle commercial là. On m'a dit que le modèle avec profil, c'est pratiquement le même bagage, mais ils font une différence tout petit. Leur dit, profil commercial là, là nous avons un classement global. Là nous avons un modèle commercial là, nous avons un modèle qui définit par rapport avec une série de régions, par rapport avec une série de critères bien définis dans la région. Dans le premier cas à considérer, c'est profil commercial. Nous avons 4. Nous avons B2B, business to business. Nous avons B2C, business to customer. Nous avons C2B, customer to business. Nous avons C2C, qui c'est customer to customer. Premier, qui c'est B2B, business to business. Ça veut dire, nous avons business. Donc, moi-même, moi, son business. Mais à seul monde que moi, vendre, c'est monde qui a business to. Ça veut dire, si on en particulier, vini, dans le business, moi, dit, j'ai besoin de tel pas acheter, m'a plutôt dit non, parce que c'est l'autre business que moi vends. Ou bien, en fonction de ça, ou bien, en fonction de service, ou en fonction de bien, soit bien, on peut utiliser le modèle. Par exemple, si on confirme consultation,
ou fait coaching dans question développement, dans question, on dit, ou fait consultation pour question ressources humaines. La difficile pour faire une consultation comme ça, ou en particulier. Mais la facile pour entreprise, il a besoin que vous venez faire coaching pour lui, pour staff l'IA, afin qu'il atteigne tel objectif, afin qu'il atteigne tel point dans le développement. Le ça, on a catégorie B2B, qui c'est business to business. Deuxième modèle qui vient, c'est B2C, business to customer. On dit, moi, c'est entreprise, je crée un site web pour me vendre et sandales. Donc, ça veut dire, sandales, ça me va vendre, c'est en particulier qui doit acheter. Pour entreprise qui doit acheter tout, mais en général, c'est consommateur qui a toujours vini. Et c'est un monde en particulier qui a vini pour acheter sandales. Moun qui vini, qui doit toujours acheter 20 sandales, qui a toujours acheté 30 sandales, même considérer que ce n'est pas entreprise qui sont particuliers. Troisième modèle, nous gagnons, c'est customer to business. Là, je vais mettre un exemple pour trouver beaucoup d'hôtels qui pour plus bien définir, c'est compagnie freelance. Ça veut dire, j'ai une entreprise, mais bon travail que j'ai besoin. On dit besoin de logo, ou bien besoin de modifier le logo. Non. Même matin, je paye un autre business pour faire le logo à moi parce que je fais payer plus comme. Je cherche un monde qui compte faire le logo et puis je paye pour faire le logo à moi. Le salaire cherche moins et le salaire nous vient dans la catégorie, nous vient dans le profil commercial, customer to business. Ça veut dire moins comme business, juste payer en simple et un graphiste pour faire le logo pour moi, palper en compagnie pour faire le logo pour moi. Customer to customer, ça c'est activité pratiquement de tous les jours. Moi j'ai téléphone ça en même, un téléphone là. Bon, je décide de vendre et puis je décide de vendre et puis le téléphone là, il bon comme là. Donc on site e-commerce customer to customer, c'est un simple individu. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de profil d'entreprise, il crée un site, et puis à partir de ce site-là, il vend l'autre 5 individus et matériel ou bien service. Ça, c'est quatre catégories que nous gagnons selon profil commercial. Là, on a parlé de questions de commerce électronique. Donc, c'est soit dans catégorie 1, ou dans 2, ou dans 3, ou dans C. Pas dans tous les quatre à la fois. Parce qu'il faut bien définir le marché là, il faut bien définir client potentiel ou pour qu'on y a pour pas de problème pour définir stratégie commerciale ou pour pas de problème pour définir plan d'action. OK. Après ça, nous avons un modèle commercial là. Selon le modèle commercial là, nous avons six sous-catégories. Dans six sous-catégories, nous avons boutique en ligne, nous avons dropshipping, nous avons affiliation, nous avons adhésion, nous avons marketplace, nous avons service. Là, nous parlons de boutique en ligne avec propre produit. Ça veut dire, son monde qui compte faire sandal, il crée un site web pour le cas exposer sandal, il fait. Ça veut dire, sous site-là, seul produit à vendre, c'est sandal que lui-même il fait. Vous ne pouvez pas vendre sandal, l'autre monde va vendre l'autre produit que sandal que le monde a fait. Dropshipping. Dropshipping sont activités actuellement qui rapportent un pile corps en fonction de ce qu'on qui bon pour faire achat et ce bon marché pour écouler le bien rapide. Qui ça dropshipping? On dit, bon exemple, on dit qu'on achète sur Alibaba. Alibaba, généralement, leur acheter, ils n'ont pas vendu par unité, ils ont plus encouragé à acheter quantité. Et puis, où est-ce qu'on stocke iPhone? À un bon prix. On dit unité à l'écouteau, par exemple 75 dollars, soit acheter 12. Dropshipping, là, qui ça lié? Si qu'on y a moins stock téléphone à 75 dollars unité, si m'a pas acheté 12 là, et puis, mal sur l'autre site, et puis moi, il y a monde qui besoin d'iPhone. Je prends comme de la mer, et puis, mal acheté sur site Alibaba et côté téléphone, et 75 dollars. Moi, pas entre adresse, pas entre adresse, monde qui t'a acheté, non, même dans le premier temps.
Là, ça, Alibaba dit, même si ça le fait, il juste touche dans le même et il livre le téléphone là, dans mes adresses, mon qui t'achète dans le même. Ça veut dire, je n'ai pas de stock, je n'ai pas de capital pour business là. Je suis seulement assuré de un monde qui a besoin de produire, je fais le jeune produire. Mais à travers, par exemple, mon fait ça un peu sur Amazon. Vous montez sur Amazon, vous avez un laptop, et puis vous commandez le laptop là, vous payez. Dans mes business ou bien dans mes mon passé commode là, vous n'avez pas payé un laptop là, mais le coup, vous payez, la laisse sur un profil, ou bien un business qui a un laptop là, il paye le comme là, et puis adresse, il mettez c'est adresse où vous payez, vous mettez mon nom, et puis vous avez un livre au laptop là. Donc, là, ça ne vient pas une question à gérer stock, ça ne vient pas une pression à une quantité de produits dans même qui a commencé là longtemps. Donc, il faut que je fasse un rappel pour me vendre. Donc, c'est un élément qui est important dans la question dropshipping. Troisième catégorie, nous bien, c'est affiliation. Affiliation qui s'allie? Un dit bon site. Je vais prendre un exemple Amazon. Amazon va possibilité ça. Ou affilié avec. Et puis, libre on liste produit. Liste produit, ça va avoir pour chaque libre on lien. Et puis, on y a lien ça pour apprendre ou poster. Chaque fois qu'on a acheté un produit à travers lien ça, il y a un bon pourcentage sur lui. Ça veut dire si laptop là, 150 dollars et puis tu as tout dépôt on achète à partir de lien, c'est à 10%. Je vais faire calcul 10% de 150 dollars et puis yo baoul. Donc autant de fois que vente l'en fait à travers le lien pour là, c'est autant de fois que vous faites 10%. C'est ça, nous relais affiliation. Et on fait encore pour Kawe, son bagage purement électronique. Ça veut dire Amazon va vous produire à vous vendre et puis vous pouvez copier à vous. Il seulement pour un lien et puis à partir de lien ça, à chaque affaire. Adhésion, pour le monde qui te connaît, Amway, qui te connaît, Life Leadership, il est habitué avec thème ça. Ou paye un COP, et puis avant que le COP soit payé, il y a une série de produits, une série de livres, et pour vous vendre, et puis ou même vous faites bénéfice pour. Il y a un monde qui par exemple, là, les soins Amway. Ils créent un site pour. Donc, tout produit Amway, ils viennent mettre sur le site toi et puis, vous pouvez lier le site à Amway Barwa pour le monde qui a fait achat en ligne à partir de lui. Et puis, de là, Amway, bon pourcentage, mais au même temps, bon départ, chaque mois, ou bien chaque année, bah, songez bien, vous avez un compte pour Amway pour qu'il y ait adhésion ça. Cinquième forme, c'est marketplace. Marketplace, j'en ai dit, elle est très explicite, son marché. Lorsqu'il vient dans le marché pour la carreau, vous paquet machin. Et puis, ou juste aller comme machin, nous besoin acheter son besoin, et puis, vous payez. Ben, marketplace, ça, c'est comme ça. On monde qui doit décider de créer un site web e-commerce pour faire pour achat avec vente, mais lui-même, il pas un produit. Mais l'invité monde vient exposer produit par eux sur site ça et puis pour vendre fait. Et puis il y a juste un pourcentage sur transaction qui fait et sur tout site là. C'est qu'à eBay, c'est qu'à Amazon, enfin, Amazon commence à gagner produit par lui-même. eBay, pas un produit. Mais eBay crée un espace, il crée une structure côté où mettre produit là, un utilisateur X vini, il paye et puis. Ou prend un cop par là, et puis lui-même lui prend un cop par là. Mais il mettait tout élément en place pour achat, pour transaction qu'a fait sans problème. Ça veut dire qu'il va avoir la possibilité de payer avec carte de crédit, il va avoir la possibilité de payer avec carte de débit, il va avoir la possibilité de payer avec PayPal, il va avoir un paquet de possibilités juste pour acheter une transaction qu'a fait sans problème. Et puis, même beaucoup de temps, il va avoir une pile possibilité pour qu'après, comme ça, lui mettre pour aller sous contrôle sans problème. Donc, là, ça nous parlait de marketplace. Service, là, on pas vendre produit, mais on vend service. Ça veut dire, on vend un bagage qui n'est pas trop tangible. Exemple, nous avons pris à l'heure, on a parlé de second business qui fait coaching, et c'est dans le cas sans caméter. Nous avons un site, mais ce site-là qui s'en bail, c'est conseil pour les gens qui sont mariés.
pour mariage qui est en difficulté. Donc, on a juste monté sur ce site-là, ils ont payé, et puis, on a eu leur fin payé, on a rendez-vous avec eux, et puis, nous parler en ligne. Donc, là, pas de question. Ouais, avec nous, pas de question. Faut qu'on a passé demain 75, pour qu'il bon cobla, et puis qu'on a le fin bon cobla pour me faire suivi pour lui. C'est tout bagage passé en ligne, ni paiement, ni service, ni tout bagage passé en ligne, à travers Internet. Qu'on a, qui avantage qui gagne dans la question commerce électronique ou bien e-commerce? C'est que quantité client illimitée. Si nous faisons business analogue, si local, moi, par exemple, c'est Delma 75, nous avons une quantité client qui est très limitée. Et comme si nous avons un client, nous avons dit c'est Delma 75. Ça qui arrive, on voit l'autre côté, on a passé devant boutique, là, on produit, il descend et acheter lui. Mais on ne considère pas ça comme considérer ça dans nos clients. Parce que lui-même, ça va, il n'est pas obligé de passer dans la zone chaque jour. Mais si on y a un passé, il va cramper pour l'acheter. Donc, avantage de venir avec e-commerce, le fait que vous soyez Internet, le fait que Internet, bon côté, pas illimité, ça veut dire que vous avez une quantité de clients occasionnels qui a dépassé à tantôt. Si par exemple, ces sandales et au contraire, au cas où vous avez tellement de commandes de sandales que vous êtes obligé. Et on monte pour venir de faire sandales. Parce que vous êtes préparé, vous êtes vendu 2 sandales ou bien 20 sandales par semaine, mais on monte sur Internet là, sandales au bel, achetez 20 sandales là dans moins que 1 minute. Donc ça veut faire que vous êtes obligé d'embaucher le monde pour augmenter le stock. L'autre avantage qu'il y a encore, c'est que vous n'avez pas gagné au réel. Site là toujours fonctionné, automatiquement vous payez abonnement. Par mois ou bien par année, voilà, c'est tout actif. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut monter, taper, monter sur Google Chrome, puis taper adresse site web, puis jouer une position ouverte, puis regarder les catalogues produits, et puis décider de passer comment. Donc, même si on a dormi, comment on a passé. Troisième avantage, c'est que pour créer un business électronique, les moins. Que pour créer un business physique. Si son boutique décide de vendre, et bien, il m'a fait l'électronique. Ça a coûté, par exemple, comme domaine, comme hébergement site là, et je vais payer un monde, si je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de connaissances pour faire site là pour moi, je vais payer un monde pour faire mise à jour site là pour moi, mais ça va dépenser, par exemple, 5 000 dollars. Pour un local, on a toujours bien stock produit à la carrière, on a toujours bien stock produit dans l'espace qui, moins que si on a une boutique, on a l'obligé de mettre un bel étalage, d'avoir l'obligé climatisé, d'avoir l'obligé de payer courant, d'avoir l'obligé de bon génératrice pour le bagage courant, d'avoir l'obligé de prendre un coup de galon pour le bagage gaz, d'avoir l'obligé de panneau solaire pour le bouquet pour un coup de galon, d'avoir l'obligé de inverter pour le soleil là, décider pas lever. Donc, tout ça, c'est couru. Alors que si son site internet ou bien, de vous finir payer hébergement, vous finir payer pour domaine, ça seulement à suivre, c'est est-ce qu'il y a piraté ou pas. Donc, c'est pour ça pratiquement qui est obligatoire dans site internet. Mais après, ça, on a toujours payé au monde pour question SEO, ça veut dire pour assurer que le site doit toujours bien paraître, le monde fait recherche sur Google. On a toujours payé au monde pour assurer et pour faire maintenant ce site web. Ça veut dire toujours bail photo, toujours changer de couleur pour qu'on a toujours bien paraître pour le monde monter sur les jeudi. Il y a une façon, il y a monter sur les demain, il y a une façon. Donc, il faut toujours attirer les yeux, monde pour toujours prêt à acheter. Mais là encore, il va dépendre de gens négocier avec nous pour qu'on fait travail à vous. L'autre avantage, c'est marge bénéficiaire. Le fait que pour gestion un site pas en pile, ça veut dire que quelle n'importe quelle augmentation de prix ou faire ce produit-là, vous venez faire plus de bénéfices. On dit qu'on y en a dans nous, et puis, vous pouvez faire 100 dollars, vous vendez 100 dollars, 20 dollars. Mais le livre en décembre, côté
faut que nous sortions, faut que nous paraissions neufs, faut que nous fassions ci, faut que nous fassions ça. Vous décidez de vendre ça là, $30. Pas oublier, coût, si Internet n'a pas changé. Si vous comptez $200 par an, il est toujours $200. Et si vous comptez $500 par mois, par 20, il dit bon, $2000. L'envie de mettre là $30, il dit bon, $3000. Donc c'est toujours $200 à payer pour ce site-là. Vous seulement venez faire et pratiquement $1000 en plus de bénéfices que vous avez déjà fait. Donc, cinquième avantage, c'est possibilité pour agrandir le business ou bien pour réduire en fonction de besoin. On dit, en août là, vous décidez de faire un site pour 25 dollars. Tout va bien marcher, vous avez des clients intéressés, vous avez fidélisé, donc vous toujours acheter dans le monde. Comme vous avez un web marché bien, vous pouvez passer avec un autre produit. Vous pouvez vendre rapidement. En petit moment, vous juste ajoutez une autre catégorie sur le site là, qui c'est vêtements. Et vous commencez à ajouter produits. Il va m'en donner rien, il va m'en donner obligé à le DGI. Dans le DGI, vous pouvez dire, OK, business, on te dit c'est tel bagage que l'a fait, mais qu'on a décidé de faire tel autre bagage, donc il faut que tu aies modifié patente là pour le DGI passer. Et le DGI ou bien la mairie, il passe pour pas bon problème. Bon, on est obligé de payer, installation pour obligé de changer. Parce que avant, tu as une installation seulement pour sandales, mais qu'on a le fait pour vendre rat. Obligé de tel autre type d'installation pour mettre radio en valeur. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. C'est on y ajoute une catégorie, on dit vêtements, et puis automatiquement, on met une catégorie vêtements. Site là, lui-même, il connaît que au cas où le vêtement est pour fini. Donc, ça permet d'agrandir le business ou bien réduire. Parce que même cas, ça va ajouter vêtements, ou quand tu prends un élément, et pour l'élément, ça ne va pas vendre vraiment. Sur ce site-là, il vous dit, on va retirer. Vous êtes contre pour garçon, et pour monsieur, pas vraiment cher, vous devez prêter dans la question, rad pour fille seulement. Donc, vous retirez catégorie vêtements pour homme, et vous retirez dans la question vêtements pour femme. Mais malgré tout, il y a un défi dans la question site Internet. Dans la question business électronique, service médiable du site Internet. Il y a une question de confiance. Grand pile fois, vous pensez nous tomber sur blague déjà. Il y a toujours fait blague, par exemple, où est tel modèle sur Amazon? Où est je regarde là bien tombé sur dame là. Et puis vous-même vous décidez d'acheter même regarde là. Et puis l'homme mettez sur vous, c'est comme si c'était bon sac du riz, font fait droit tout là-dedans et vous mettez sur tellement mal tombé sur. Donc ça veut dire que le mounio à acheter sur internet, yo méfiant en pile. Si son nouveau site, yo posé cette question, est-ce que site ça me fait confiance? Est-ce que si me paye, est-ce que voyer produit à pour moi? Est-ce que si qu'il y a besoin tel service, est-ce que qualité service m'a venir, est-ce que le bon? Donc l'on fait lancer ou pas le problème de confiance. C'est peut-être ça. Stratégie que mon responsable marketing pour ou bien si bon côté pour déjà gagner connaissance l'offre que lancer un site e-commerce est toujours bon pour partager feedback client feedback nous nous vend déjà ça veut dire si c'est $100 ou vendre j'en ai commencé avec exemple là faut que le un client fait photo avec $100 là pour montrer gens $100 là fait pied bien faut qu'on déjà prêt à poster sur réseau. Parce que quand pile monde il y a son sandal 6 mais le kounya les sandal la vie jeune soit les trop gros ou bien les trop petit par rapport avec 6 que qu'on est déjà et monde qui qu'on achète sur chaîne yo fait expérience ça soit regarder acheter à malgré les médium leur mettre li pas tant qu'on loge soit tennis ça il acheté yo connaît que bio c'est 7 et acheter 7 là le vini li tant qu'on 12 dans bio donc ça vient faire le bon client qui satisfait et qui partage témoignage avant faut qu'on prêt à partager pour le l'autre monde vini donc a déjà ou bien 100 témoignages qui dit que sandal toujours bien fit dans pied monde ou bien rad toujours bien fit sur monde puis on dit OK monde ça ou bien business en faire confiance m'a acheté dans même ça c'est pas le premier défi ou l'on fait lancer on business électronique.
Deuxième élément, et ça, moi personnellement, son bagage qui toujours vivent, et ça fait, il prend pile forme acheter sur Internet. Lorsqu'on site e-commerce, ou exposer un service, ou bien ou exposer un produit, on n'a pas réellement. On a juste une image. Ça veut dire, si je me dis, mon laptop pour vendre là, je me dis, OK, laptop, moi, c'est i7, et telle génération, tant de RAM, tant tel bagage, on a fait juste un photo loin. Il va bien qu'il y ait une preuve que j'aime dire que la preuve là, c'est qu'on s'allait. Et ça a son sous-élément de manque de confiance. Parce que si son site qui était là longtemps, on n'a pas même pensé à ça même. Mais comme son nouveau site, on a posé cette question, est-ce que ça lie ouais, réellement? Est-ce que ça lie ce site-là, c'est ça lié réellement? Est-ce que j'en lis ouais, produit là? Est-ce que le bagon petit défaut? Est-ce que le laptop l'a pas frappé? Est-ce que disque dur là, j'en ai écrit là? Est-ce que son SSD lié? Est-ce que rate ça, dit pas trop gros? Toutes ces réponses de questions qu'on a posées pour qu'à sûr le film prend carte de crédit, il est passé pour produire ça, que ça le paye, c'est ça l'objet. Troisième défi que nous-mêmes en Haïti, que nous connaissons bien, bon, ça, c'est quotidien, non? C'est connexion Internet qui n'est pas disponible. Pour un site e-commerce, on supposait ajouter ses produits, on supposait faire on travail sur lui. Et puis, dans le matin, on va faire travail là. Natcom, mal levé, Digicel, mal dormi. Je dis bonjour à même, client pas connecté sur Internet, tout en bas senti bien. Donc, le ça, malgré tout le paye pour Internet là, on pas foutu monter sur une page Google, voir pour monter sur le site, voir propre une photo, voir pour foncer le changement que tu as supposé faire. Donc, ça, c'est son réalité qui son défi qui est adapté à la réalité, non? C'est question Internet, là. L'autre défi, c'est difficulté technique. Il y a des gens, et ça, je dis un pile fois dans l'expérience PAM, ils sont prêts, ils ont payé 2 000 $ pour son site pour eux. Mais on va décider de payer 25 $ par mois pour qu'ils fassent un entretien sur ce site-là. Et technologie à son bagage a bougé en pile à l'échelle internationale. Ça vient de faire, l'homme d'a fait site là pour conseil de fonctionnalité, conseil de plugin que m'utiliser. Dans le moment d'a utilisé, j'étais bon. J'étais idéal même. Mais si qu'on y a fait site là pour bien, pas grand qui dit que d'ici 1er septembre, que plugin ça yo, que fonction ça m'utilise, il est toujours d'actualité. Il n'y a qu'à être remplacé par l'autre plugin, il n'y a qu'à être remplacé par l'autre fonction. Et le ça, l'envie de monter sur le site 1er septembre, où est tout le bagage demandé, et puis premier son parent lui disait, bon, ingénieur ça va, il prend mauvais produit, il prend mauvais service. Mais pour ne pas comprendre, logique, le monde a dit, ah, il faut qu'on quitte encore pour faire entretien sous bagage expérience. Parce que quand il y a des gens qui voulaient un site électronique, qui voulaient gérer un business électronique, mais qui n'ont pas de compétences techniques. Ça a arrivé parce que tout le monde n'a pas de connaissances. Vous êtes peut-être obligé de vivre en groupe, obligé de vivre en communauté pour savoir qu'on est un pour l'autre monde qui a aidé là-dedans. Même si c'est POP pour lui, mais au moins il y a une capacité pour aider. Ça veut dire, si on est que techniquement parlant, ou pas en forme, toujours dans le budget, toujours prévoir qu'on va payer au monde pour qu'il fasse travailler ça pour. Parce que pour qu'il brûle 1 mois, 2 mois, pas jamais de problème. Et puis, un bon matin levé, ou bien un petit gros problème, et là, ça va coûter plus quoi. Défi encore qui gagne, c'est concurrence. Actuellement, tout monde envie de gagner. Bon, un peu carré qui simple en boutique. Nous sommes j'étais en période sur WhatsApp. Chaque. Bon, pas dit chaque. 80% de mesdames qui étaient en contact, ils ont une boutique. Il y a 20 sandales, il y a 20 bijoux, il y a 20 rats. Donc, là, ça, ou bien, on l'a monde qui a fait même pas avant, ou bien, on l'a monde qui décide de cacher sous chaîne, et puis, il y a acheté produit à 16 $ et tout décide de vendre
et 80 dollars, yo tout a vendu produit. Donc, ça vient faire que concurrence dans la question commerce électronique, on a toujours jeune. Tu n'es pas un monde qui est proche, tu n'es pas un monde qui connaît, mais on a toujours jeune un monde que ça va prendre, on l'autre nous a vendu. Et quand il y a ça, quoi fait différence, c'est gens qui fait analyse marché, gens qui ont défini politique prix pour qu'on connaisse. Je dis au lever ou un bon monde en concurrence à vous, produit l'autre contre 10 dollars, il n'y a pas de problème pour vous, descendre à 8 dollars, mais on a toujours fait et bénéfice, vous êtes supposé faire. Parce que concurrence là, à cause de gens Internet, le genre est très utilisé actuellement, on a toujours jeune. Dernier défi, et c'est le défi qui toujours crase plusieurs business, surtout pour questions et business électronique, c'est temps pour qu'il y ait un résultat. Vous n'avez toujours voulu, si on lance le site web le 15 août, faut que d'ici 30 août, votre chiffre d'affaires est en météo dans la catégorie de 1 million, que je suis à des caméras toute journée, que vous avez fait photo, que vous avez dit OK, business marché, donc là, son petit bourgeois. Qui est extrêmement faux. Au cas où son business électronique, vous prenez n'importe 2 ans avant de faire 100 ventes. Bon, 100 ventes là, après 2 ans, son gros export, ça veut dire au cas où il va arriver à faire. Donc, si vous n'avez pas patience, pas fait business électronique. Essayez de rassembler comme là, comme pas d'avant là pour là, la plus facile pour faire comme la plus rapide. Dès que vous n'avez pas patience. Parce que sur Internet, là, obligé de patience pour qu'avant, obligé de contingent pour définir stratégie, pour modifier stratégie, pour gérer client, pour toujours mettre client, pour toujours pas client soif, pour envie acheter dans le monde et pour rester fidèle à boutique ça. Parce que le client final, c'est là, je dis, même si le produit a été bon, même si prix a été bon, demain, si Dieu veut, lui-même, il fait expérience avec l'autre boutique, si on va fidéliser, il va aller, et l'autre boutique, là, a gagné un peu de chance pour le fidéliser, et puis tout était dans l'autre boutique, là. Donc, il faut qu'on gagne patience pour résultat sur besoin pour qu'on joigne. OK. Là, on a comme des gars dit. Là, Dieu a commencé bien cuit, il a commencé par être tissant, ça veut dire qu'on a commencé à gagner espoir pour le manger. Donc, là, on va entrer dans l'étape pour créer un business électronique. Pour créer un business électronique, j'ai matin, on a commencé à parler là, pour arriver à vous gagner son idée. Parce qu'on ne va pas juste décider de faire un business demain si Dieu veut sans idée. Est-ce que c'est bijou pour le vendre? Est-ce que c'est Radwalvan? Est-ce que c'est Saint-Dan-Walvan? Est-ce que c'est service et consultant? Est-ce que c'est coaching que je vais faire sous site? Tout ça, c'est idée ou supposé bien. Et l'on a une idée à l'heure du matin ou déjà qu'on est que je vais utile communauté directe pour et communauté directe là, lui-même, il va le permettre de joindre l'autre client et au fur et à mesure que ça va grandir, c'est au fur et à mesure tout que clientèle va grandir, chiffre d'affaires ou à augmenter. Donc, première étape là, c'est une idée. Deuxième étape, la première, c'est pour commencer à exécuter l'idée. Et comme c'est un e-commerce, première étape d'exécution, c'est joindre un nom au site là. Joindre un nom que mon a toujours songé, un nom que fait publicité pour, un nom qui l'homme a prononcé. L'envie à visiter site là pour le cas qui s'allient sur lui. C'est une étape qui est en cas difficile pour qui ça, parce que c'est même genre l'autre choisi non pour petit tout. C'est soit si vous n'avez pas ça et après, là, commence à gagner connaissance ou bien si vous n'avez commencé à gagner gros problème avant parce que non, on choisit l'IA, il marque l'appel. Par exemple, il y a quelqu'un que je connais qui c'est garçon et puis il y aurait les cassantes. Donc, ça, je suspecte que. Papa, ou bien maman, ton petit garçon méchant, ou bien tu as besoin de petite fille, et comme il va qu'à venir, bon, malheureusement, son petit garçon qui vient venir, et puis et non, il a décidé de pas changer, il a trouvé le petit moment cassant. Ça vient de faire que ça risque de marquer mon avis. De même pour business, sinon, ça a choisi, il n'est pas adapté avec petit produit à prendre,
ou bien li pa nan ti kas komplike pou n ap sonje pou avin gen problèm. Yon nan konsey m toujou bay moun ke m'ap tra ke m'ap presip yo, toujou evite trade union. Paske pa gen moun ki pral sonje lè la pek nan on site pou mete trade union. Toujou evite yon seri de bagay komplike pou pou moun nan chak fwa l bezwen monte sou site la, se gade l'oblije al gade pou l ka di ah OK, men koman l'ekri et puis pou l fè achat. Ou ba eBay, ou ba vous dit pas songer ça. Ou peut-être pas songer eBay, ou ap songer Amazon, ou ap songer tel bagay. Yo va laisser l'el yo va essayer al bal un nom qui extravagant juste pour faire ouais et puis pour on pas ka songer. Alibaba, pa gen moun ki pa songer ça. Donc le kounya bon bon idée et puis ou va passer dans étape création et site là toujours songer quand vous choisir un nom ka marquer moun yo on non que moun yo a vraiment songé et là dès pour fin jwenn élément ça yo idée avec non projet pour ka commencer faire analyse et analyse pour projet là là on commencer définir pour proposition de valeur commencer définir marché ou commencer définir concurrence ou commencer définir demande et puis commencer définir qui difficulté que va jwenn proposition de valeur c'est qui ça idée là qui ça business on va le porter marché là est-ce que qu'on a on cibler jeunes 18 à 25 ans est-ce qu'on cibler monde qui âgé est-ce que qu'on a on cibler monde dans telle catégorie sociale est-ce que qu'on a on cibler telle autre catégorie filles seulement est-ce qu'on cibler garçons seulement est-ce qu'on cibler étudiants seulement là où définir marché concurrence et puis commencer à dire il y a tel boutique qui fait même pas avec pour me garder comment on fait yo fait travail par roi pour me faire mon travail qui est mieux pour me améliorer processus yo gain et puis pour me gain client et attirer quelques clients bien vers moi demande en fait tout ça c'est dans l'analyse idéale demande là est-ce que qu'il y a ces solutions sont proposées est-ce que li répond à grande demande population est-ce que y a population santé visée par exemple sous fait coaching et puis soit fait coaching pour monde qui marié qui en difficulté est-ce que population soit ciblée à est-ce que ça j'en propose des solutions là est-ce que li bon pour yo est-ce que pour y a pas demander amélioration par rapport avec son ouais et là on pour petite parenthèse tout petit grand pile fois nous gain idée c'est une question digitale mais nous pas connaît est-ce que c'est un site pour nous faire ou bien si son application ça c'est un choix très important parce que en fonction de marché là pour qu'on connaît est-ce que marché là c'est site yo utiliser ça veut dire il y a besoin interface anti-crasse vaste qui a prend plusieurs éléments ou bien est-ce que son application a besoin côté soit application ou jeune strictement est nécessaire là par exemple imaginons que Lyft qui sont compagnie taxi aux États-Unis, l'idée décidé que lui-même son site internet seulement la bien pas bien application. Ça veut dire pour commander un taxi, vous d'abord obligé c'est avant quitter quand on va aller ou monter sur site là ou commander taxi là et puis pour alterner qui pas ta pour aider avec clientèle là. Mais il a opté plutôt pour application malgré que il y a un site là. Ça faut bien définir et canal ou va l'utiliser en fonction de marché là et en fonction de gens ou d'aimer niveau sous nous. Et puis dernier point on va bien pour ouais dans analyse idéal c'est difficulté que on va gagner. Et difficulté noter ouais tout à l'heure c'est presque au même pour que va mettre sous table là par rapport avec mon e-commerce. Ça veut dire on va regarder est-ce que internet là on peut gérer ça? Est-ce que qu'il y a question confiance en comment on va gérer ça question résultat qui permet ton bâtir ton business là avancer question confiance en comment on va gérer ça difficulté technique comment on va gérer ça toutes ces difficultés que l'on va analyser pour jour là pour commencer à mettre sous tapis et puis pour qu'à dire OK par rapport avec telle difficulté mais qui solution bien à court terme et à long terme parce que ou qu'avoir difficulté mais il agit sur en deux temps l'agit soit à court terme l'agit soit à long terme à court terme sous dit on prend deux solutions internet la caillou pour le problème internet ou prend DSL ou prend la com
À court terme, ça va aider, mais à long terme, ça va avoir un coût qui n'est pas trop intéressant. Si vous avez à court terme, on dit, on prend un monde qui peut former pour gérer ce cas. Dit bon, mais est-ce que à long terme, on va avoir le temps pour faire ça? Est-ce que vous n'avez pas toujours bon pour quitter ça dans le monde ça et pour seulement payer et par mois, mais par année, mais puis tant ça, ou d'avoir le point pour faire gestion, utiliser à d'autres fins pour business qu'à développer plus. OK. Quand on a le travail sur l'idée, ou bien non, ou analyser l'idée, ou analyser le projet, pour qu'on ait qui j'en vais l'avancer, ou passer dans la partie stratégie. Stratégie, c'est comment qu'on a l'idée maintenant. Moi, je fais l'atterri sur mon yon, moi, je fais l'atterri dans l'esprit mon yon pour le mon yon penser sandal, pour ça faire mieux penser. Pour le penser à faire tête, le penser à faire pied ou belle, ou son seul nom boutique qui est dans tête, c'est boutique PAM. Et là, on va obliger honnête à tête ou. En fait, dans toute étape, on va obliger honnête à tête ou. Parce que là, c'est temps, on va même si c'est copain. Mais dans l'étape, ça, plus, dans la stratégie, il faut être très honnête. Pour qu'on connaisse que, mais qui ça m'a fait, mais qui ça m'a pas fait. Si vous allez décider dans la stratégie là, vous dites, OK, par rapport avec le client idéalement, moi l'investir par semaine, et par rapport avec le marché idéalement, moi l'investir par semaine, il y a 300, 500 dollars dans la promotion. Là, on commence à battre tout le petit, parce que, ou fait qu'à plan son business, ou pas qu'à décider de fonds, dépenses comme ça, dans la promotion. Promotion importante, mais il faut qu'on arrive dans le niveau ça au départ dans le projet. Quatrième étape, c'est plan d'action. Plan d'action, c'est stratégie fin définie, ou fin identifiée, ou fin fait analyse, ou fin gain, non, fin gain, ou fin gain idée. Mais comment on va commencer? Là, on fait on généralement, toujours conseiller de faire un plan d'action à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, mais qui ça me besoin? À moyen terme, mais comment me blé? À long terme, mais qui va me supposer arriver dans un an, dans 2 ans, et puis qu'on y a de là où repartir avec plan d'action pour qu'à grandir. Parce que, monde qu'on fait ça, il y a plein son business jeudi, et puis plan d'action qui s'est remetté là-dedans, c'est agrandi. Vous pouvez agrandir alors que vous même gain non sur ce marché. Oui, l'on gain non là, c'est grandi, agrandi. Mais décider comme plan d'action pour l'année 2022-2023, que vous agrandissez, ça veut dire, c'est comme si vous avez 200 clients, ou vous voulez arriver dans 2000 clients. Lorsque vous investissez toute force dans la question agrandi seul. Mais si son business que m'a lancé, et focus, même focus, c'est t'as supposé sur fait marché à prendre un produit. Fait marché à commencer à utiliser le produit. Fait marché à commencer à accepter comme nouveau service, nouveau produit sous marché. Et puis, l'étape, ça finit, on a pu commencer dans fidélisation. Après fidélisation, on a pu commencer à grandir clientèlement. Parce que, quel n'est pas le produit lancé, quel n'est pas le service lancé, il prend autant pour marché à accepter. Que le produit là, que le service soit plus bon que tout l'autre, il est obligé de prendre le temps pour accepter, il est obligé de prendre le temps pour faire confiance. Donc là, même focus dans le plan d'action, c'est ça le supposé. C'est contre qui on va le présenter le produit là, qui va le mettre, comment on va le définir l'identité, comment on va le rendre visible. Et on a centralisé l'étape ça, plan d'action sur question e-commerce, c'est. Je te disais tout à l'heure, il y a un bon nom pour site internet, toi. Bien héberger site internet, toi. Parce que lorsque tu héberges un site, en fonction de ça, site là pour le faire, il faut bien garder l'option que l'hébergeur là-bas. C'est même genre, lorsque tu as un hôtel, pour garder est-ce que l'hôtel là-bas va manger le matin, est-ce que l'hôtel là a une piscine, est-ce que l'hôtel là a un wifi, est-ce que l'hôtel là est une zone IA. Pas de bruit, est-ce que Kounia hôtel ça et lui répondre avec son besoin au moment? Quand ben, hébergement site web, c'est pratiquement même bagage. Si moi, héberger un site côté conseil de fonction et développeur a déjà dit, il va mettre ce site là pour qu'il bien travaille,
faut que l'hébergement va le faire, faut m'assurer que héberger ça. Faut regarder et héberger ça, est-ce qu'il y a des possibilités pour fonctionner ça et développer. Parce que il y a un hébergeur qui gagne, il y a un hébergeur qui pas gagne, ça veut dire qu'il faut regarder la liste. Faut que l'hébergeur a dit, OK, il y a tel type de code que sous héberger ce site-là, qui a roulé. Si le client n'est pas roulé et si toi pas le ça vient faire une partie d'un site web qui ne vient pas servir à rien. Donc, ça vient faire un mauvais choix d'hébergeur. Et là, on a retourné dans l'aspect technique. Là, si vous n'avez pas de technique là, pour ça, il faut qu'on assure que vous prenez un monde qui a et donne un choix ça. Après ça, vous avez une identité corporative là. Ça veut dire comment le logo n'a pas dit, est-ce que vous comprenez le logo n'a, est-ce que le logo n'a pas frustré en catégorie moun, parce que gen sa tout, ou ka fon logo, ou reme logo, mais bon catégorie, par exemple, on dit, si moun nan telle religion, est-ce que logo sa peut pas foi, c'est foi, si moun sa nan telle catégorie sociale, est-ce que logo sa pas mette le mal à l'aise, donc automatiquement logo a mette le mal à l'aise, il pas peut utiliser service ça, il pas peut utiliser produit, c'est même genre, ouais, arrive au moment, bon, ça me juste à citer le même pas pour nous ce souligner. Je veux dire que le logo Versace, son logo est mystique. Donc, il y a des gens qui juste pas utiliser Versace à cause de ça. Donc, c'est même pas là pour. Si le logo là, l'évoquer en bagaille, soit mystique ou bien spirituel, ça va arriver que des gens, par rapport avec spiritualité, on va utiliser les services, on va utiliser le produit là. Donc, il faut bien analyser avant de voter pour tel logo, avant de choisir pour tel logo. Il y a une couleur à choisir, il y a une couleur en fonction du domaine où il y a obligé de choisir, il y a une couleur depuis que vous avez gardé l'IBA en vie, il y a une couleur et de vous arriver dans tel secteur, ces couleurs, ça vous gêne. Par exemple, sur la question énergie renouvelable ou la question protection planète, vous n'êtes pas capable d'utiliser vert. Donc, qu'est n'importe quoi faire ou l'obliger gain vers là on va qu'à décider une entreprise gain un site e-commerce qui là pour vendre machine électronique et puis pour le logo c'est rouge ça la petite case bizarre parce qu'il gain vert là-dedans pour qu'à montrer aspect écologique là et puis j'aime dire le matin pour question identité corporative là l'un a bien une séance communication il y a pas plus de détails sur qui j'ai pour définir et communication interne et qui j'ai pour communiquer avec externe pour mon cap entre en contact avec nous car un but plus facilement et accepter service non produit non plus facilement après ça l'autre élément d'un plan d'action pour déjà penser avec parce que notre question site e-commerce ou notre question e-commerce c'est création site web là. Ou pas dire son business électronique ou pas le gérer pour pas un site web. Ou dire c'est Instagram avec Facebook qu'on va utiliser. Instagram avec Facebook, il n'y a pas pour, je sais pas, tous les deux compagnies, tous les deux éléments, ça y a pour Facebook. Et Facebook, il peut utiliser à quel moment il a fait même. Ça veut dire, si vous avez une boutique pour 25 dollars, et vous dites, bon, beaucoup besoin de site là, Instagram. OK, nous juste faisons un seul bagage. M'organiser avec la communauté, nous dit, nous pouvons le report, pas ça. Et puis Instagram fait mes pages. Vous perdez tout le réseau, vous perdez toute clientèle. Donc, Instagram, pas pour vous, il faut toujours penser à un cas pour. Ça veut dire créer un site web pour. C'est vrai, Instagram a aidé, joindre plus de clients, mais il faut que les clients ou joindre sur Instagram, il faut que vous dirigez sous site par. Parce que, qui n'est pas pour faire une méchanceté, il report par jour, il report à 40 ans, et puis il fait même, si tu as 20 000 followers, vous perdez 20 000 ans. Vous obligez de recommencer à zéro. Et là, vous recommencez à zéro, vous venez passer dans l'étape, manque de confiance. Parce que, par exemple, dit que 20 000 personnes qui t'ont suivi avant, c'est qu'ils vont suivre ce nouveau compte-là. Donc, et comme ça, sont retournés à niveau zéro pour nouveau monde. Et puis, quand il y a travail sur site là, travail sur identité, et puis quand il y a commencé notre dernière étape pour projet là, fonctionnaire, qui c'est visibilité. On commence à poster
puis souvent sur les réseaux sociaux pour dire yo al visiter tel site pour qu'ajoute tel bagage, al visiter tel site pour qu'ajoute tel service, al visiter tel site pour qu'ajoute tel produit. Le ça ou main focus c'est assurer que chaque jour au moins 100 monde visiter site web, au moins que par semaine ou bien une vingtaine de monde qui suivre, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, mais au jour le jour que visibilité a augmenté, pour nous commencer à dire ah bon site moi très créé, faut visiter le sous besoin tel service, faut visiter le sous besoin tel produit. Et l'offre arrive à l'étape, ça qu'on a commencé à dire ou commencer à soulager. Et mais l'offre arrive à l'étape, ça tout, pour commencer, sous son monde qui prie, commencer à prier pour me déposer patience, parce que l'offre arrive à l'étape, ça n'a pas quelqu'un qui dit que vous allez gagner $20,000 comme bénéfice dans une semaine. $20,000 qui a pris 5 ans, qui a pris 10 ans, mais l'app vini automatiquement pour être constant dans sa offre. Ou kon vè sandal, toujours assurer que sandal ça va poster, que toujours de bonne qualité, que toujours bien présenté. Et puis c'est garder que je dois faire on vend et non dans l'autre mois, on commence à faire 5 ventes par jour, au fur et à mesure la augmenter et puis qu'on y a business commencer à décoller, pour commencer l'arriver dans stade, obligé à prendre l'autre monde pour aider gérer, obligé à prendre pour aider que le travail soit aspect grandi communauté business grandi noir. Donc j'espère présentation étape ça a vraiment aidé nous dans choix n'a pour faire plus devant. J'en nous dit là séminaire sur webinaire solution digitale 2022 lui même il focus sur digital là et de choisir des solutions qui adapté à numérique là, nous pas focus sur business analogue encore parce que la business analogue commence à atteindre limite yo. Nous commence à focus sur une série de business côté ou en Haïti, même ou en Afrique connaît ou en Haïti, mon en Afrique connaît qui service offre qui produit que gain, c'est seulement assurer que ca fait pont entre Haïti avec Afrique là pour ca vendre service pour ca vendre et produit ça. Pensez avec l'élément ça, si vous déjà bon business que commencez, gardez si vous êtes rempli tout étape, gardez si vous pas bon étape pour te sauter juste pour te aller plus vite, gardez si vous pas bon étape pour te prendre à la légère et puis qui vient à handicaper, essayez critique à tête tout, parce que là, dès que vous avez business, vous avez deux éléments importants qui coulent, c'est temps, c'est l'argent. Et dans tous les deux temps bien important que tout parce que l'argent va aller la tourner mais temps lui-même il va aller il va pas prendre plutôt analyser pour regarder sous tes sous bonne voie et puis sous qu'à avancer ou avancer sous pas toute bonne voie pour qu'à faire correction nécessaire et puis qu'on y a pour business décoller j'en t'as supposé décoller j'en t'ai dit le matin qu'on y a pas passer dans étape question pas hésiter poser question que ce soit dans le chat là que ce soit mon qui a une question, il a juste levé mais on garde la parole et puis qu'on y a après question quand on tient un petit peu que m'a fait pour nous. OK, question s'il te plaît. Oui. Vous pouvez poser une question, s'il vous plaît. Oui. Alors. Oui, nous, là, vous pouvez poser une question. Allô? Oui, allô? Oui, allô. Oui, allô? Oui, vous pouvez poser une question, on a besoin d'eau. Oh, OK. Bonsoir à tout le monde. Non, pas c'est Jean-Yves. Question d'un me poser. Est-ce que vous obligé de gagner un business en ligne ou du moins, est-ce que vous avez fait un business en physique
physiquement et puis ou reçoit des données qui j'ont carré reçoit des données électroniquement. OK. Dans le cas ça, si vous avez un business déjà physique, le service parle de transformation digitale et que vous appliquez dans le business. Ça veut dire que vous avez une série de procédures qui sont faites de manière analogue sur papier, que vous mettez disponible en ligne pour vous faire. Là, nous ne pouvons pas parler complètement de e-commerce, nous pouvons parler de business digital. Ça veut dire que vous avez plus de process que vous gérez. Mais on peut toujours ajouter canal ça sur lui. Ça veut dire, par exemple, OK, dans le cas des compagnies de transfert, longtemps pour te faire transfert, pour te aller directement dans le cas ou bien dans l'unité de transfert, ou payer comme pour faire transfert pour. Mais il n'y a pas de possibilité tout pour juste monter sur ce site-là, montrer l'information carte de crédit et puis vous voyez comme là aller. Donc, si vous avez un business et puis vous identifiez une série de process qui a fait en ligne ou juste créer un site web ou bien une application et puis et process est mettre disponible pour mon cas faire à travers site web ou bien après application et puis tout et tout c'est sans problème mais assure seulement que soumettez ça disponible pour client que client réellement leur fait suivi sur yo que yo joindre solution parce que gen moun qui fait ça yo bon site internet ou écrit sur lui ou pas jamais joindre réponse. C'est juste leur aller dans le bureau dit ah bien tel compagnie bien tel homme d'écrit nous demander nous telle information et pour ouais mon nom monter vrai puis le voir email là donc c'est juste assurer que ce qu'on a fait analogue et digital en même temps. OK, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Un second. OK. Un peu vite Bouya. Bouya t'es un peu. OK, question par maintenant. Li basé. Comment on capable faire pour me capable créer un site web parce que moi j'en saute tout à l'heure me comprendre bien que et au capable toujours décider utiliser Instagram utiliser Facebook à n'importe quel moment qu'on a Facebook campé et comme si toute bagaille côté qu'on fait tout bloqué qu'on a moi-même d'arrêter et créer un pour me gain propre site pam site web pam pour pas gain aucun problème comment me capable faire ça c'est OK pour créer un site web actuellement l'antiquasse est L'anti-crasse est venu plus facile parce que vous avez un système drag and drop. Par exemple, bien Wix, qui ça Wix, son plateforme pour créer site. Et puis, chaque son besoin, vous juste prendre et puis vous draguer son espace blanche. Et comme si, imaginons une page blanche devant, et puis, il y a une série de mots sur puzzle sur côté. Vous voulez ça, ou juste mettre sur page blanche, ou mettre sur page blanche, et puis qu'on y a ensemble une bonne site internet. Mais qu'on y a ça qui vient arriver dans le processus ça, c'est que si évidemment on créativité, évidemment on au moins on petite connaissance technique, parce que Gemba a le besoin et faut qu'on connaisse qui gens pour faire. Et même si c'est drag and drop, par exemple. Si qu'on a besoin d'un formulaire, le monde rempli, il faut qu'il y ait un tel message, il faut qu'on ait une petite technique qu'on connaît que mais qui peut aller pour changer et dans l'élément pour changer option ça. Mais si qu'on a une patience, on peut toujours apprendre sans problème. Ou gain Wix, gain WordPress, gain de l'autre comme base général, on peut toujours apprendre bien rapide, compatiblement avec un monde qui lui-même c'est coder nous coder ça veut dire ou mettre nos site web nous partir de zéro et puis nous bon site web là et en plein donc là ça lui bon côté bam il prend plus technique et il prend anti-classe plus tantôt mais bon côté port il juste mandé créativité pour connaître que mais comment pour mélanger couleur mais comment pour ajouter tel élément qu'on besoin et puis pour créer à fort pour c'est un si son bagage qui
qui sont vraiment importants pour vous d'ici une semaine, deux semaines, ou vous pouvez supposer qu'il y a un draft de citoyens que vous avez toujours fait dans le domaine et vérifier pour vous si tout est OK et puis pas prononcer. Il y a un monde sur le chat qui pose des questions. Même j'en ai un business physique, il y a un monde qui prend non au capoté plein pour lui. Est-ce que l'on fait un business en ligne et puis ou utilise ou et puis oui, tout à l'heure. Et puis ou gain site web là, on a utilisé non un. Est-ce que ou pas capoté plein pour copyright? En fait, au capoté plein pour copyright, c'est pour code là. Ça veut dire c'est un code que écrit. Si vous avez une preuve que c'est vous qui écrit le code là, le sort pour te plaindre. Et son processus qui est assez long, je ne crois pas que ça vaut la peine. Pour nous, malheureusement, non. Ça qui arrive, quand pile fois, et même j'aime dit tout à l'heure, conseil de éléments que nous-mêmes en Haïti, que nous toujours négligés. Après, conseil de compagnie, vous avez un site web, vous avez un monde qui a suivi date d'expiration du domaine. Ou qui ça? Parce que quel n'importe monde qui remarque, par exemple Facebook. On dit Facebook.com, tu as disponible à co, et puis pour acheter, c'est sûr que pour Facebook, pour reprendre ça, là, pour obliger mon compte pour le cas reprendre. Parce que je vais toujours prendre non Facebook là, et puis m'associer là, quel n'importe bagaille, juste pour me faire perdre dans la notoriété. Donc, pas grand qu'un côté qui a porté plainte, c'est ça qui fait logon I de business, et pour jouer un nom. On dit, mais non vraiment aller dans ce sens où. Ou pour IPL et ou PL pour un maximum de temps qui est bon pour vous. Ou payer jusqu'à 5 ou bien 10 ans. Quoi. Ça veut dire, vous faites 5 ans, vous êtes non ça pour vous, vous assurez que le monde n'a pas de prendre pendant ce temps. Mais dès que vous finissez de payer, pas de monde qui est capable de faire. Mais par contre, le monde a toujours créé un nom qui semble avec pour faire méchanceté. Ça veut dire, si si citoyen est un par exemple un exemple bien simple on dit citoyen est david.joseph.com bon monde qui décide de créer un site david-joseph.com grand pile monde qui pas fait différence là et puis qu'on y a leur va faire différence là et c'est bon David Joseph là qui vient payer conséquence là. Donc, pas un poteau capoté plein, mais beaucoup faites attention. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas une autre question? OK, c'est pas quelle autre question bon. Ah, okay. OK, ça me donne une petite difficulté tout petit. OK, si vous avez une autre question, à vous ce que vous avez partagé avec nous, c'est que j'aime dire le matin, formation ça, c'est porte d'entrée à un projet qui est plus facile. Là, nous, en août 2022, nous, en août 2023, pour supporter le lancement de 12 projets digitaux. Dans 12 projets digitaux, ça, n'a pas sur une deux aspects. Et technique là, aspect financier. Donc, pendant 12 mois de formation, on a un coaching pour gérer le projet, on a un coaching pour développer le projet et financièrement, on a pas suivi de développement projet. Mais, je me dis là, c'est 12 projets seulement. On a bien pour nous lancer ce formulaire là le 26 si Dieu veut, dans la dernière séance là. Ou à remplir formulaire là, ou à expliquer le projet là, et puis mon comité qui a évalué est-ce que le projet ça, il vaut la peine que nous investissions là-dedans,
est-ce que il vaut la peine que nous entrer dans l'espace coaching nous? C'est peut-être ça de dire nous, il est vraiment important que nous suivons formation ça, que nous comprenions les gens digital là. Important, gens digital là qui aide nous à avancer, qui aide nous à aller plus vite dans nos projets. Mais tout faut nous expliquer pour les nous bien. Parce que c'est pas seulement dire ou quoi le fond site internet pour vendre tel bagage et pour finir. Mais faut qu'on explique à travers toute séance que nous avons bien là. Il y a chaque bon partie dans explication projet à la pédo fait. La pédo définit le plan marketing dans la pédo ou définit plan d'action pour dire OK, projet ça, si nous d'accord et financé, mais comment la pédo dans un an, mais comment la pédo dans deux ans, et mais comment vous pensez que la pédo est communautaire. Parce que nous ne va pas financer des projets pour un individu, nous allons financer des projets qui ont aidé la communauté à grandir, qui ont aidé, qui ont répondu à besoin communautaire. Donc, je veux dire, à ce premier jour, là, dans la deuxième séance, vraiment, vraiment, invitez-nous, suivre toutes les séances, participer, poser des questions, essayer de commencer, ouais, qui idée que nous avons dans le tête, qui est important, ou bien qui est une idée qui tient nous à cœur, que nous avons aimé développer, nous pensons qu'il a aidé la communauté à grandir, et le premier formulaire est disponible le 26, si Dieu veut, ou remplir, pour assurer que l'offre est remplie là, que quelqu'un n'est pas la réponse au bayou, que l'a vraiment trouvé le projet super, et que l'a validé parmi 12 projets que nous avons choisi. Donc, fais-le comme ça. Et j'aime te dire le matin, hein, et le 26, le matin, entre 9h et 11h, nous avons une consultation, une par une. Ça veut dire, seconde idée, et pour t'aimer un conseil, pour t'aimer un feedback, et enfin, projet digital, bien sûr. Moi, je partage un lien sur le chat là, son calendrier, ou juste choisir. On le dans calendrier et puis qu'on y a et n'a voyé on lien Zoom pour dans 26 dans matin pour connecter sur Zoom là ça c'est nous deux seulement ça veut dire ou même avec nous même qu'a parler de projet tout ça va dire nous après confidentiel tout ça va dire après entre nous et puis qu'on y a pas côté pour après coaching individuel ça ou après décision est-ce qu'on va avancer toujours avec projet là ou bien est-ce que il y a modification que on va le faire. Je me dis, nous, c'est entre 9h et 11h. Ça veut dire, tout tombe dans le happy bonheur, tout, c'est tout le plus bon pour. Parce que vous voyez, c'est 7 créneaux seulement qui sont disponibles. Parce que c'est 20 minutes chaque coaching. Je vais partager les liens sous Zoom. Si entre-temps, on arrive à l'autre créneau côté. Nous faisons l'autre séance coaching comme ça encore, n'a pas mis tel. Mais pour le moment, c'est le 26, entre 9h du matin et 11h du matin, qui est disponible pour nous faire ça. Je vais vous demander une petite note, là, nous avons rempli le créneau. Nous avons toujours ajouté une petite description de qui ça a besoin. L'homme dit qui ça a besoin, est-ce qu'on a besoin de conseil technique, est-ce qu'on a besoin de conseil dans le marketing, est-ce qu'on a besoin de conseil dans la question. Et comptabilité pour le ça pour ces monde ça que nous mettons disponible pour qu'attendre et pour qu'aider directement. OK, il y a un monde sur chat là qui me dit qui attention pour ça, nous ta conseille. Et dans qui sens s'il te plaît capable plus précision, est-ce que c'est dans question choix non, est-ce que c'est dans question choix technologie et bon petit détail s'il te plaît. Pour capable bien répondre question. Choix noir, ok. Faut prendre un nom et côté mon songe. On va prendre un nom mon nom fini. Après 5 jours, on songe nom mon ça toujours parce que nom mon a tellement frappé attention ou bien nom mon ça tellement bon type qui fait le rythme dans tête tout. C'est même genre pour nom site là. Andy Konya on va essayer de songer un site qui te frappe l'esprit.
OK, ma partage un site sur ce chat là. Voilà. Ça, c'est un nom qui t'a frappé l'esprit. Pour qui ça? Parce que qui s'est proposé comme solution, c'est possibilité pour ajouter le site internet pour le monde et Google qui a joué. Donc, il y a des top tout. Donc, on ne reçoit pas foutu par son gel. Parce qu'il décrit exactement qui ça business en fait, qui solution que business en poté. Donc, c'est ce genre de conseil sur Campbell. C'est réfléchir, c'est mettre créativité nous dehors pour le qu'on y a. N'a fait choix non que il a fait avec facilité. C'est bon bah qui facile et c'est bon bah pour faire à la va vite. Si il y a l'autre question, pas hésiter. Et par rapport avec question tout à l'heure, si bon monde qui business physique déjà qui pensait que digital la qualité. Il a toujours posé des questions, des rendez-vous, il a discuté comment ça a fait. Yes, allô? Yes, allô? Oui, nous là. OK. Question d'avoir posé, il y a un petit parenthèse sous lui. C'est que si mon business qui est en physique, qui genre électronique là capoté et des choses qui puis bon pour moi-même qui est en grand business physique. Jamzoula, pour remplir on fiche pour un rendez-vous avec ça n'a pas discuté de ça sans problème. Moi, partage le lien dans le chat là. OK. Moi, il était en seul créneau. J'aime dire non, pas hésiter, pas description. Tout ça n'a partagé dans le formulaire, ça a été confidentiel. Hello, salut nous. Bon, en fait, tout à l'heure, on peut parler de qui ça que nous a écrit dans l'espace qui parle, bon, qui écrit notre là. Et bon, pas de fin trop saisi ça côté Dieu. S'il te plaît, est-ce qu'on peut reprendre pour nous, s'il te plaît? OK. Dans l'espace note là, on va préciser comment nous aider. Et si, so déjà, quand ils ont besoin, je vous écris comment nous aider. Par exemple, il y a un monde qui a un projet, mais qui a juste un problème avec aspect et branding, aspect marketing. Mais il y a un monde qui a un projet, mais qui a un problème avec aspect et budget. Donc, si vous déjà une idée de comment nous aider, vous mettez juste et ajouter dans notre là. Là ça monde qui plus apte à aider dans domaine ça, c'est lui même qui est disponible pour répondre. Nous pas besoin faire général et puis commencer c'est leur vini et dans rencontre là déjà c'est 20 minutes pour dire OK mais qui sont besoin bien absolu un OK mais qui est n'a fait répondre. Bon, moi, que tout le créateur qui est un
Oui, donc, assurer seulement que nous là, dans le moment. Et oui, surtout que la partie disponible parce que vous avez tous les sept. Donc, j'aime dire, si vous avez une possibilité pendant une semaine, ça, que vous avez l'autre période que nous baille, n'a pas fait ça, mais pour le moment, c'est 26 là, dans le matin que nous avons disponible. Mais ça qui est sûr, c'est que pendant toute semaine, vous pouvez toujours poser des questions, toujours disponible pour répondre aux questions. Pendant toute semaine, toutes questions à poser, tout conseil que vous avez besoin, c'est sûr que la gratis. Donc, vous avez besoin de poser des questions. Si vous prenez le temps pour connecter sur Zoom, c'est parce que vous avez besoin de chercher. Et on compte besoin de arriver avec le projet, avec l'idée, pas hésiter. Oui, mais le problème, c'est que tout, je dis que tous les sept créneaux occupés, mais c'est trois emails jusqu'à présent que nous recevons. Est-ce que quatre autres pour finir un pli ou bien? Nous ne pouvons pas, ou t'as supposé qu'on programme Internet. OK, de façon maintenant. Est-ce que vous avez d'autres questions toujours? Est-ce que tout le bagage est clair? Joseph Thierry, est-ce que c'est toujours la même question tout à l'heure ou bien sont l'autre question bien pour nous, s'il te plaît? Parce que moi, mes mains levées toujours. OK, une question pour. OK. OK, bonsoir. C'est ça, me suis dit. Moi, j'étais là plus fort, non? Mais et comme si moi l'aime fini, il dit me comme ça que il pas disponible. Nous ca vérifier pour moi s'il vous plaît, est-ce que il est toujours, est-ce que email moi à joindre s'il vous plaît. Non, nous pas je vois. Est-ce que essayez de faire refresh pour vous pouvez aller parce que là nous sommes recevoir et non, ne va pas recevoir pas là. On va vérifier. Oh. Moi laisser ajouter pour 25, mais considérer que ça qui 25 là c'est toujours 26 que la fête d'intervalle que nous dit. OK? Bon, une minute seulement pour que nous mettez ça encore, s'il te plaît. Allez, pour 26 ans, on a bien plus le qui a ajouté. Nous mettez ça. Oui, Michel, moi je vois, il me loue.
OK. Oui, nous recevons. Donc, pour le moment, il y a 9h20, 9h45, 10h05, 10h30, 10h50, 11h15, 11h35. Donc, il y a 3 mounes pour accepter, même si nous avons tout l'heure, mais c'est toujours 7 là, je me disais que nous avons 4. Essayez déjà de finir les questions que nous allons poser pour nous assurer que nous maximisons le temps et puis que nous jouons un bon feedback de séance coaching. OK, nous jouons 4h80, mais j'aime dire, songez que c'est dans la période 9h et 11h que la fête. Dans l'email, nous allons recevoir tout à l'heure avec Zoom, on va tout définir qui pour nous. OK? Même si nous choisissons 4h80, c'est dans la période 9h20 que l'on fait. OK, 2. Maquette de toujours. Donc. Est-ce qu'il y a des difficultés pour aller ou bien c'est okay. Pour mon qui vient de finir le lieu, m'a partagé avec nous son d'âge. J'aime bien dire matin, songe que son d'âge ça c'est lui-même qui permet moi qu'on est si assister à 13 séances minimum pour question certificat. Toujours prendre temps pour remplir. Oui, elle a dit nous recevoir une loi. OK, là, je me disais, nous sommes 8 et décapé. Parce que c'était 7, bon, comme maximum, on va prendre 8 là. Donc, si on arrive à jouer un autre créneau, ma peine nous connaît sans problème. Et j'aime te dire, nous, si projet nous vient à impliquer l'autre monde, même si le monde n'a pas fait partie de formation, toujours inviter le sujet pour lui-même, tout pour côté par lui, qui a posé des questions et lui qui a dit. Et pour le groupe-là, qui a pu bien expliquer ça au besoin exactement. Après midi, on a recevoir invitation Zoom sur email nous préciser, donc vérifier pour vendredi nous connecter sans difficulté.
Et puis pour vidéo matin avec vidéo kounia tout à l'heure constat nous pour upload yo n'a pas le lien pour monde qui était inscrit via formulaire là ou si vous avez regardé replay là pour regarder. Donc restez tant toujours si quelque question pas hésiter là toujours pour répondre yo tout à l'heure nous allons séance sur question marketing évolution concept marketing là parce que j'aime dit tout à l'heure marketing c'est base business digital, c'est base question e-commerce, ou pas quasiment faire e-commerce, et puis pour marketing, il n'est pas au top. Parce que pour toi, tu as quoi faire business là, c'est faut qu'on bien vendre idée là, faut qu'on bien vendre produit avec service pour qu'on ait un maximum de clients que possible. Donc, c'est ça, on a commencé aujourd'hui, division deux séances, demain, si tu veux, on l'autre séance encore, question marketing là, et bien après, ça, on va le focus sur et gestion projet avec communication. Demain, gain deux. Demain, si tu veux, nous gain deux séances sur question gestion projet. Non premier temps, on a bien design thinking qui permet de développer idée là. Comment pour passer de zéro à, on dit, à 100 avec une méthode qui est assez simple. Et puis après ça, on a bien comment gérer un projet digital avec méthode cascade qui lui-même cap aider nous. Cap aider nous contre qui gens pour nous gérer projet nous et puis contre qui gens pour nous avancer au fur et à mesure. Donc, pour moi qui pas lié dans l'appeler formulaire Google là, nous avons toujours un email dans le chat là, s'il te plaît. Et puis, nous avons pour ajouter, pour nous recevoir le replay là. Parce que c'est une séance qui est assez importante. Si vous voulez lancer dans le numérique, il faut qu'on connaisse exactement comment pour partir. Donc, nous avons partagé l'email nous dans le chat là et puis nous avons fait suivi à vous. Donc, comme par une question, ma pour y font-il rappel de ça nous ouais. Pour c'est ça, notez ouais question business digital, notez défini business digital là qui s'allie et puis notez présenter différence entre business digital avec e-commerce. E-commerce fait partie de business digital, mais e-commerce pas tout business digital. Parce que l'on parlait de business digital, libre en compte vente, libre en compte vente produit avec vente service, mais l'on parle de business digital, il prend en compte ça, il commence à faire, et puis il a ajouté un paquet d'autres facteurs, tant pour SEO, email marketing, là, promotion, tout ça, il a ajouté pour gérer. Après ça, nous venons focus essentiellement sur e-commerce. Côté nous dit e-commerce, c'est toute activité de vente et de service qui est faite via canal numérique, en particulier Internet. Ça veut dire, si je suis soulier pour vendre, donc, nous créons un site, ou bien nous créons un site, ou bien une application pour vendre soulier ça, là, on a e-commerce. Si qu'on y a son service, on va prendre un exemple, un service de coaching, donc, nous créons un site, et puis, ce site-là, on a monté, on a payé, et puis, on a suivi le coaching, le ça dans e-commerce et nous dit e-commerce il fait en ligne, ça veut dire toute activité que faut mon croisavo pour les payo et après ça pour faire suivi pour lui dit pas fin e-commerce. Dans réalité pas nous on obligé accepter parce que nous limité en pile mais dit pas fin e-commerce. Après ça nous ouais avantage avec des avantages qui gagne dans question e-commerce et il y a un avantage qui gagne c'est que pour lancer on e-commerce li fait et li permet tout faire plus bénéfice que possible parce que pour ça comme pour le payer pour héberger site là pour domaine li nettement inférieur avec surtout obligé louer en caisse surtout dans la rive de prince côté que minimum veut pas vraiment de $5,000 pour caisse pour on 4x4 donc le ça, il est plus facile pour faire plus de bénéfices.
des avantages principaux notés ouais, ces questions confiance là parce que l'offre là c'est on site non on site e-commerce et puis on vend et puis on vend service ou bien produit ou bien il faut qu'on fasse confiance pour qu'on si service on vend de qualité pour qu'on si produit on vend de qualité yo gain petit réticence pour acheter non bon après ça nous ouais étape qui gain pour lancer on création e-commerce obligé analyser obligé joindre idée analyser idée définir plan d'action définir stratégie et l'on fait quatre étapes ça pour n'y a aucun dit pour lancer. OK. Et bon monde qui m'a dit s'il besoin regarder 500 qui j'ai le café, j'aime dire dimanche matin n'a pour se voir un lien par email qui gain replay de toute séance. À bien séance pour matin, à bien séance pour nuit et puis séance qu'on va gagner tout à l'heure n'a pour se voir par email. Ça veut dire et ou pas besoin qu'il tôt ou bien au moins pour regarder séance là pour recevoir par email non avant journée infinie. OK, nous prend email ou on va ajouter dans la liste. Donc est-ce que il y a d'autres questions parce que là presque nous venons la limite nous. OK. Moi manque 4 monde qui pour remplir sondage, j'aime dire là si on besoin certificat, on va obligé assister à 13 séances minimum et c'est sondage c'est seulement pour connaître que tu as assisté à 13 séances. Donc il est obligatoire pour remplir sondage à chaque fois que nous partager aussi s'il te plaît. OK. OK. 30 secondes encore pour le sondage. Bon, mon côté, c'est un plaisir pour me là avec nous depuis le matin. Nous partager deux belles séances, ça a fait un plaisir. Jusqu'à présent, nous comptons feedback. Merci pour vous dire le printemps pour remplir. Et calendrier, j'aime bien suivre l'email parce que nous allons recevoir un lien Zoom pour nous connecter. Vendredi matin, si tu veux. Pour l'autre monde qui va bien chance de remplir, si tu as un chrono qui est disponible encore pendant la semaine, on va vous partager. Et puis, là, ça va bien chance pour remplir sans problème. Donc, comme il y a d'autres questions, absolument dis-nous merci pour présence. Nous. À 3 heures, on l'autre séance avec on l'autre confrère qui c'est Ruben Blanc qui va parler de notre évolution concept marketing. Nan. Pas hésiter à connecter, pas hésiter à partager le lien, pas hésiter à poser des questions. J'aime dire que c'est important pendant toute semaine ça pour poser des questions parce que il y a l'autre bagage qui a fini et c'est compréhension de toute semaine ça qui permet que ça fait plus facilement. Merci en pile. Bon, te bénis nous. À demain si tu veux.